personnes âgées écoutent la radio, mais on ne joue jamais des chansons pour eux, ce n'est pas payant. On leur vend des calmants, des pilules, des onguents, mais ce n'est que l'amour dont ils ont besoin comme médicament. Les gens âgés, on les a oubliés, tout au fond des foyers où les gouvernements les ont enfermés. Bien souvent, une fois par an, on viendra les visiter. Des parents s'est occupés. Une seule fois tous les ans, on viendra les embrasser. Ça oblige le jour de l'an. On est tous des vieux, qu'on le veuille ou non. On sera un jour comme eux, même riche à millions. On est tous des vieux, ce n'est qu'une question de temps. Heureux ou malheureux d'avoir eu des enfants. Les gens âgés ne parlent même plus, ils ont trop à dire, leur vie à raconter, qui va les écouter? Ils se courbent le dos et regardent leurs pieds, se demandent pourquoi au bout du chemin ils sont arrivés. Ils ont tout donné, leur amour, leur santé, tout ça pour les enfants. Ils ont tout sacrifié, même les rêves les plus grands. Et du fond de leur prison, ils relèvent parfois le front quand ils viennent pour signer. C'est quand vient la fin du mois et le chèque de leur pension qu'on fait semblant de leur donner. Les gens âgés ont le goût de pleurer, car ils ont tout le temps de renaître au passé, revivre leurs 20 ans. Ils n'ont rien oublié, si leur dos a courbé, c'est qu'ils ont trop souvent porté les chagrins et les peines des enfants. Les gens âgés ont le temps de prier, car ils sont devenus, au fil des années, de simples enfants. Ils demandent au bon Dieu de parfois penser à eux, s'il a une minute ou deux. Ils demandent souvent à Dieu pourquoi il a oublié de venir fermer le Dieu. On est tous des vieux, qu'on le veuille ou non. On se joue comme eux, même riche à millions. On est tous des vieux, ce n'est qu'une question de temps. Chaque jour que l'on vit nous rapproche du temps.